Chers amis internautes, bonjour. Nous recevons sur le plateau M. Tom Kaipes, jeune entrepreneur à l'initiative de la start-up Dan. Dan est une web agency qui, comme son titre l'indique, procède à la création de sites web. Tom Kaipes nous fait l'honneur d'être présent afin de présenter sa start-up, mais aussi nous parler de quelque chose d'exclusif en matière de web design, qui est le leasing opérationnel. Bonjour Tom Kaipes. Bonjour. Qu'est-ce que le web design via le leasing opérationnel? Alors, c'est très simple. On a deux méthodes, acheter ou leaser. Ah donc, oui. comme avec la voiture, si j'achète une voiture, je dois toujours repayer pour la tenir à jour. Bien sûr. Changer les pneus, tout ça. L'entretien. La même chose avec le site web. Bien sûr. Si je l'achète, je vais après, si j'ai des changements, devoir m'en occuper moi-même. Tout à fait. Ou payer quelqu'un pour le faire. Faire, oui. Donc, qu'est-ce que nous, on s'est dit? On va faire du leasing opérationnel. C'est simple. Pas de frais de création, pas de frais de setup ou de développement, mais c'est du simple leasing à une petite charge mensuelle. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour des startups et pour aussi des sociétés qui ont du changement souvent. Bien sûr. Notamment, souvent des gens me disent « je ne vais pas beaucoup changer ». Au final, ça, c'est ceux qui vont le changer le plus. D'accord. Mais ça, c'est... Quand vous parlez de changement, vous parlez de quoi, par exemple? On a deux différents types de changements. Mm-hmm. On a des petits changements comme un changement d'adresse, si la société change, ou un changement de numéro, d'affichage de jours fériés. D'accord. Ou notamment aussi changement d'équipe. Souvent, les gens... Des informations pratiques et techniques. Exact. Et le deuxième type? Ça, c'est... Pour revenir à ceci, ça c'est un petit changement qu'on fait tout de suite. Tout à fait. Sans frais supplémentaires de toute façon. Oui. Un autre type, c'est les updates, qu'on les appelle. C'est simple, nous on va créer, dépendamment du package, dépendamment des besoins du client, du nouveau contenu pour le client. Mais par exemple, Noël, on va écrire à nos clients, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à présenter? Oui. Est-ce qu'on va vous écrire quelque chose sur une promo? Tout à fait. Nous on va créer du contenu. On a promo tel et tel, un graphique, c'est publié sur le site, sur les newsletters et les social media connectés. Ah d'accord, je comprends un peu mieux. Alors, quelles sont les compétences requises pour exercer votre métier de web designer? D'abord, la plus importante compétence requise, c'est celle-ci, c'est de parler. Souvent, la communication. Hein? Oui, on est dans la communication. Tout à fait. On est dans cette branche et le plus important, c'est de bien connaître le client. Oui. Et bien engager sur les besoins du client. Donc, parler, une communication directe, téléphonique parfois, ou même Skype, dû au géographiquement difficile parfois. Bien sûr, bien sûr. Et le plus important pour nous, sur un autre point, on reste toujours sur l'actuel point de vue technologie et graphiste, dû au fait qu'on est inscrit comme développeur et partenaire sur plusieurs plateformes, notamment... Google Partners Junior pour l'instant, Microsoft et d'autres systèmes de CMS dont on sert pour créer nos sites web qui restent dynamiques et toujours au meilleur des... Donc ça signifie que vous êtes tout le temps à jour au fait des nouveaux changements dans votre secteur d'activité, c'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord, je comprends bien. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir un site web? Quelle est l'importance d'un site web? Alors, vous avez une carte visite. Oui, heureusement. Je vous la donne d'ailleurs. Alors, je vous donne la mienne. Ah ben merci, bel échange. Sur la vôtre, je vois, vous avez un site, vous avez un code QR, il va où? Bien sûr, le code QR c'est pour les smartphones, comme on le sait. Et il va où? Il va rediriger vers le site web, très intelligent, merci. Exactement, et ici voilà. J'ai un peu d'informations. Tout sur la nôtre, comme j'ai vu souvent, si j'ai une carte visite, maintenant je ne sais même pas, vous êtes le président. Oui. Mais je ne sais pas ce que vous faites. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est la carte visite en ligne? C'est mon site web qui explique qu'est-ce que je fais, quelles sont mes références, quelles sont mes forces, mon équipe. Ce qui est très important parce que les gens aiment bien connaître qui est derrière. Avec qui est-ce qu'ils vont, bien sûr. Exactement. Et d'une autre manière aussi, une méthode de communication directe. Direct. Avec contact form. Tout à fait. Ou avec les données du contact direct. Ah d'accord. Donc avoir un site web, c'est un peu offrir plus qu'une simple carte de visite. C'est ouvrir un peu la porte de l'entreprise, un peu aux visiteurs, c'est ça? C'est ma vitrine. C'est ma première impression que les gens ont. Souvent, avant que je vais... Où que je vais, je vais regarder quel est leur site, qu'est-ce qu'ils font, et comment est-ce qu'ils se représentent. Ah d'accord.
Alors, le processus de création des sites web chez vous, chez Done, comment ça se passe? Les étapes, en somme. Comment est-ce que vous procédez concrètement? Alors, différemment à d'autres sociétés, nous, on a 5 étapes, une de plus que toutes les autres, d'habitude. Oui. On a une première étape d'information, échange d'informations, où on apprend à connaître le client pour bien le représenter. Tout à fait. Ça, notamment à l'aide de beaucoup de questions qu'on va poser. Bien sûr. Après, on va revenir en équipe sans le client, première phase, en planification, où on va créer d'abord un premier essai pour dire quelle est la construction, quelle est la visualisation qu'on va proposer au client. Bien sûr. Après, on va rentrer à nouveau en contact avec le client et lui présenter le concept et faire la personnalisation de tout ceci. Et après, après une revue très approfondie, on va la mettre en ligne. Bien sûr, le site, si le produit fini. S'arrête le travail de souvent les sociétés de agency web. Et vous, la cinquième étape, ce sera? C'est la tenue en jour. À jour. Ah, la mise à jour, la c'est ce dont vous parliez au début. C'est de s'occuper notamment du contenu. Du contenu? À jour. Oui. De l'opérationnalité. Oui. Du site web, donc. Nouveau système, nouvelle sécurité. Bien sûr. Mais aussi la tenue à jour du responsive. Donc, un nouveau téléphone sort. Tout nous, fait, on reçoit les nouvelles dimensions et on va améliorer le site de manière capable bien sûr à être visualisé sur le nouveau appareil bien avant sûr qu'il soit dans votre main. Ah d'accord. Il y a un fait dont on parle souvent en matière de web design qui est le SEO, Search Engine Optimization en anglais. Et chez Done, qu'est-ce que vous offrez comme service parce que c'est très important, c'est ce qui permet en fait d'être présent, si on a bien compris. Exactement. Qu'est-ce que vous offrez comme service en la matière? Alors, SEO, c'est un grand mot. Ah oui. Il y a des personnes qui ont le titre SEO. Ah. Il me faut un SEO, un Search Engine Optimizer. Tout à fait. Il y a une profession tout à fait complète derrière ceci. Ah oui. Et des spécialistes dans ce domaine peuvent vous coûter jusqu'à 500 euros de l'heure. Je m'en doute. Donc, sur l'SEO, on a deux différentes approches principales. Dites-moi. C'est le on-page et le off-page. C'est à comparer. Le SEO, c'est comme la réputation d'une personne. Tout à fait. Et comment je la vois. Donc, le on-page, c'est simple. C'est comment j'ai l'air moi-même. Oui. Comment je viens. Je viens en costume ou pas en chaussettes tout à ou fait quoi que ce soit. Donc, on page, la première chose, c'est le contenu. Tout à fait. Google a repris toutes les règles de SEO. Il a tout reformé il y a quelques années. Oui. Avant, je pouvais mettre des mots-clés partout. Maintenant, ils doivent être contenus dans du texte qualificatif bien. Bien défini, hein. Oui. C'est poussé jusqu'à ce point-là. Et ça, c'est le on page. Donc là, c'est les liens internes. Et comment j'ai la redistribution de texte, image et aussi code qui est derrière. D'accord. Le deuxième point, c'est le off-page. Oui. Ça, c'est comparable à la réputation qu'un être humain a envers ses tiers. D'accord. Ça veut dire quels autres sites parlent de vous. Tout à fait. Quel site lien vers vous. D'accord. Si c'est simplement « je connais monsieur », ça, c'est pas si bien que « je connais monsieur de tel et tel et tel, je le trouve bien ». Qui donc, a tel fait telle chose. Exact. Exactement. Donc, ici, on parle de backlinks. D'accord. Ça s'entend de plus en plus. Le rétro-lien. Un backlink dans la branche s'appelle parce qu'un autre site qui a une certaine réputation tout à fait donne une bonne qualification à un autre site. D'accord. Donc, son ranking va augmenter. D'accord. Donc, c'est un peu comme une toile d'araignée, en fait. C'est le net. Ah oui. Et donc, si on a bien compris, c'est important à partir du moment où ça offre une meilleure visibilité à votre site. Le SEO devient de plus en plus important. Souvent, on rencontre des gens qui, eux, type, par exemple, ils vont sur Facebook. Oui. Alors, peut-être pas. Mais dans Google.lu, à la place d'aller dans la barre URL, ils typent dans Google.lu. Tout à fait. Ou une autre chose. Donc, avant, le plus important, c'était d'avoir une bonne TLD. Tout à fait. C'est le .lu, .com ou quoi bien que sûr, ce soit. Bien sûr. De nos jours, avec tous les nouvelles TLD, .express, .tout. Il y en a même en premium. Par exemple. Oui. Il est de plus en plus important d'avoir un bon SEO parce que ça va augmenter le ranking. D'accord. Donc, qu'est-ce que veut dire le ranking? C'est d'être le premier. Tout à fait.
jamais quelqu'un sera toujours le premier si je tape restaurant dans le monde. Tout à fait, tout à fait, tout à ça, fait. Ça, c'est impossible. Ça dépendra de la géographie, ça dépendra de beaucoup de facteurs. Et du SEO aussi. Bien sûr. Un représentant de Google a bien dit, il y a quelques mois, la meilleure place pour cacher un meurtre, c'est sur la deuxième page de Google. Parce que personne n'y va. Personne n'y va, ben oui. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que je sois bien référencé. Tout à fait, tout à fait. Souvent, je vois des sites qui ont comme description toujours encore la base de leur système CMS. Oui, je comprends. Hello, je comprends. This is a WordPress template. Ah oui, je comprends. Là, c'est grave. Ok. Ben écoutez, parlons un peu argent. Est-ce que vous avez des packages? Est-ce que vous avez, parce que vous parlez de leasing, je sais qu'en matière de leasing automobile, permettez que je fasse un rapprochement, une parallèle. Je sais qu'il y a des packs prédéfinis avec des tarifs prédéfinis. Et en matière de donc leasing web design, est-ce que vous avez des packages aussi? Oui, on a des packages. Ah ben, très à savoir que d'autres sociétés chargent énormément pour des sites web. À Luxembourg, les prix sont exorbitants. Exorbitants, oui, c'est bien vrai. On s'est fixé un prix starter. Oui. Qui est de 149 euros. C'est-à-dire ? Ça veut dire par mois, sans hors taxe, 149 euros, tout inclus. Par mois. Ça veut dire mon domaine, mon hosting, mes adresses e-mail, mon site web en design fini, responsive, toujours responsive. Bien sûr. Contact, formulaire, bien sûr. Mise à jour, nouveau contenu jusqu'à 4 fois par année. Maintenant, si vous venez avec une 5e fois, ça ne nous dérange pas. Bien sûr, bien sûr. C'est une marge à avoir. Le grand avantage avec celui-ci, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire ? Ben, vous ne voulez plus. Vous on reprend le contenu, on vous rend votre nom de domaine. Et ça s'arrête là. Ah oui. Donc, pas de frais supplémentaires si vous n'avez pas de confiance. Bien sûr. Le grand avantage avec ces packs, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite en ligne. Meilleur exemple, si vous voulez payer pour un site, vous allez payer une avance. Jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Le site ne sera pas en ligne. Il ne sera pas en ligne. Donc, vous allez discuter, discuter, discuter. Parce que vous savez, si vous payez la totalité, la personne ne va plus jamais s'en occuper. Oui. Or que là, vu que c'est par mois, de votre côté, vous avez une obligation de résultat. On a l'obligation de résultat. Et on a le grand avantage qu'on peut aller en ligne avec la moitié. Bien sûr. Et continuer. Et additionner des pages. Donc 149, c'était le prix d'entrée. Et le second package, il y en a combien de packages, au fait? Ça dépend. On a des packages et on a des add-ons. Ça veut dire... Mais les packages standards, il y en a combien? 4. Il y en a 4. Quels sont les prix comme ça, on a le business. Starter qui est à 149. Oui, business. Unilingue. Le bilingue du business, il est à 219. Donc ce sera du starter, mais en deux langues. Oui, et avec un peu plus de contenu et plus d'update en même temps. Ah, d'accord. Et le troisième? C'est le professionnel, en trois langues. En trois langues, Qui a une option avec un site simple e-commerce. Avec un site e-commerce en plus? Un simple. Un simple, en différence de différents types d'e-commerce. D'accord. Simple e-commerce, le client s'occupe de l'intégration de ses produits. D'accord. Et de tout. C'est fait avec quoi? WooCommerce? Ça dépend. Ça dépend des... C'est toujours des CMS, C'est des CMS. Oui. Par contre... on se sert de différents, dépendamment des besoins. Bien sûr, bien sûr. WooCommerce parfois. Oui. Par contre, sur notre dernier package, le 4, c'est le e-commerce pur. Le e-commerce, Et là, il est à combien? 150, 450. 450, Là, on parle d'un Magento, ce qui est beaucoup plus grand. Concret, oui, bien sûr, bien sûr. Un bon exemple pour, on est en train de faire un site pour un marchand de textile qui fait notamment les petites chemises, les petites emblèmes, qui lui a... 45 000 produits dedans. Oula, quand même. Qui changent tous les 6 heures dû à des bases données du fournisseur. Bah oui. Ah, je comprends bien. D'accord. Nous avons donc la seconde partie de notre interview et je me permettrai de demander à M. Kaipes les plus grandes difficultés qu'il rencontre en tant que chef d'entreprise ici au Luxembourg. Déjà, le premier point, c'est que le renommé ou la référence. C'est souvent, c'est très dur comme nouvelle entreprise de commencer sans connaître qui que ce soit, sans être quelqu'un. Ah oui. Souvent, les sociétés, quand on commence, souvent je le dis aussi à d'autres personnes que je coach ou que j'explique comment mieux le faire,
c'est d'avoir des clients avant qu'on commence une société. Tout à fait. Et c'est de déjà travailler dans le domaine avant d'y s'y aborder. D'accord. Donc c'est surtout, selon vous, la renommée qui pose problème en tant que chef d'entreprise. Il faut déjà avoir un ancrage, hein. C'est bien cela. C'est un ancrage, une base de clients. Et souvent, si on veut aller dans un domaine qui est déjà peuplé, c'est difficile de dire, je sais qu'il y a XY, mais on est là aussi. Et souvent, il y a une méconfiance sur des nouvelles sociétés. D'accord. Qui souvent se couchent après 6 mois. Ah, d'accord. Donc, c'est difficile de se faire une place lorsqu'on arrive sans un agenda bien étoffé, un carnet d'adresses bien étoffé. Et vous direz que les startups au Luxembourg bénéficient de suffisamment de mesures d'accompagnement. Vous, par exemple, votre boîte est une startup. Les mesures d'accompagnement qui vous facilitent un peu votre, l'expression de votre entreprise, hein, vous pensez qu'il y en a suffisamment ? Il y en a suffisamment. Par contre, souvent le coaching et l'approche vers la société n'est pas très simple. Il y a certaines institutions comme l'espace entreprise de la chambre de commerce qui aide beaucoup. L'espace entreprise de la chambre de commerce, il est important de le répéter. Allez sur le site web de la chambre de commerce, donc essayez de visiter l'espace entreprise. Vous aurez là-bas beaucoup d'informations sur la manière dont vous pourrez lancer votre entreprise, la créer et les mesures d'accompagnement qui peuvent aller avec. Exactement. Oui. Et accordement aussi le Lux Innovation qui travaille ensemble avec l'espace entreprise. Bien sûr. Par contre, c'est souvent le plus grand problème pour des nouvelles sociétés, c'est le financement et le marketing. Oui, oui. Et c'est pour ça aussi que nous, on dit, on va aider des petites sociétés. Bien sûr. À leur donner la même possibilité. Donc les banques sont réticentes en fait à financer les projets nouveaux. Une banque, pour la trouver, d'avoir le capital de départ pour une société, c'est très dur. C'est dur, hein? Donc c'est un peu ça. Donc si vous deviez suggérer, si vous deviez donner une idée à qui de droit, hein, afin d'améliorer un peu l'intégration, la facilitation, afin de faciliter l'intégration des nouvelles entreprises, des start-up, quelle serait cette idée? Qu'est-ce qu'on peut faire en mieux? Un bon départ, c'est les expos. Les expos et les événements de la chambre de commerce pour les startups. D'accord, mais il y a quand même en matière d'exposition, nous avons le GR Business Days au Luxembourg. Ça ne suffit pas? Les GR Business Days sont très coûteux. Ah oui. Ils sont très coûteux et souvent, si on approche les GR Business Days ou d'autres expos, on a des difficultés. Par contre, par exemple, Lux Innovation, des clusters de la Chambre de commerce, comme par exemple l'ICT Cluster, on peut... Le ICT Cluster de la Chambre de commerce. Par exemple, pour l'IT, il y en a d'autres, aussi pour le logistique et tout ça. Oui. Ils peuvent aider à avoir des places beaucoup plus avantageuses pour des startups et peuvent aider. Par contre... C'est clair à savoir, ne rien vous tombe dans les bras. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut se battre. Il faut demander. D'accord. Mais cette année 2015 tire à sa fin. Nous sommes en octobre. Et quel est le sujet d'actualité en rapport avec votre secteur d'activité qui vous a le plus marqué sur le plan national? Pour l'instant, nous, on voit souvent... en revenant sur les TLD, que un point de vue SEO, il augmente beaucoup dans notre branche. Et le rapport du client ou d'une personne vers les social media se réduit vachement sur les derniers mois. Oui. Revenons aussi sur la décision de la Cour de justice européenne qui est passée récemment. Qui en fait interdit le petit d'accord que l'UE avec les États-Unis s'était fait pour l'échange de données. Oui. Donc beaucoup de choses là vont changer bientôt. Au niveau du e-commerce aussi, puisque vous parlez de nouvelles directives européennes, il y a une directive en rapport avec la TVA, je pense, quelque chose de ce genre. Vous pensez que ça va plomber un peu votre secteur d'activité, c'est-à-dire pour tout ce qui est communication et web design, vu que de grandes entreprises qui faisaient le commerce en ligne voyaient le Luxembourg
Luxembourg comme un Eldorado? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Le grand avantage, en fait, que cette loi donne, c'est que les grandes entreprises, comme eBay, Amazon et tout ça, n'ont plus le plus grand avantage. Oui, n'ont plus le monopole. Et les petites entreprises qui, en fait, nous approchent pour avoir un e-commerce, pour vendre, pas vraiment en international, mais pour entrer dans le e-commerce régional ou international européen, ont un grand avantage parce que tout le monde est régularisé du même, de la même façon. Ah, d'accord. Donc, sur la section locale, régionale, ça ne pose pas de problème. Ça nous donne plutôt un avantage. Ah oui, c'est quand même intéressant de les signaler. Ben écoutez, nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers nos dirigeants et qu'ils prennent les bonnes mesures, si on en croit à ce que vous dites. La dernière question est une question fétiche, celle de Quartium, que nous posons à chaque personne que nous interviewons. Nous allons vous demander de regarder la caméra ici et de vous poser une question à vous-même. Bon, je vais me poser la question la plus claire, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour 2016? Qu'est-ce qui va changer? Chez Don, clairement. Premièrement, on a un changement dans nos packages, qui est très simple. On va avoir plus de customisation sur les prix et les packages. Mm-hmm. On aura beaucoup plus de services email et marketing à ajouter. Mm-hmm. Et le plus grand, c'est notre nouveau package restaurant qui permet à un restaurateur d'avoir une facilité très innovante sur son menu du jour. Mm-hmm. En sachant qu'avant, souvent, les restaurateurs avaient à s'inscrire sur leur système, tout changer et après l'envoyer. On a développé un nouveau système qui nous permet de donner la possibilité au restaurateur de simplement envoyer un email qui sera propagé par newsletter pour ses propres clients. Tout à fait. Sur son propre site, naturellement. Et en même temps, sur tous les social media. À savoir que social media, on ne les aime pas tellement, mais ça nous rapporte toujours encore du trafic et c'est une méthode d'avoir quand même de la visibilité accroissée. Tout à fait. Donc, chers amis internautes, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence. Ensemble, nous avons reçu M. Tom Kaimpas, CEO de la compagnie Dan.lu, qui fait du web design de manière innovante, vous a apporté un produit exclusif qui est le leasing opérationnel avec une formule à partir de 149 euros. Nous vous remercions pour votre fidélité encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir. Au revoir. Voilà. Like I'm Biggie Popper.